Bonjour. Alors, je commence cette vidéo avec un ton extrêmement solennel. Il faut que cela cesse. Cela ne peut plus durer. Je suis seule face à vous et je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Ça n'est pas possible. Vous me lancez des challenges. Je suis faible. Je ne fais pas le poids face à vous. Et après, voilà, je les relève. Une pression énorme. Cela suffit. Excusez-moi, je plaisante. Évidemment, je suis sûre que vous le savez. Vous avez vu peut-être un peu plus tôt, ou hier, je ne sais pas quel jour je vais passer la vidéo, le haul action que j'ai fait avec les nouveaux carnets mixtes papier, excusez-moi, je vais encore me casser un ongle, papier vélum et vélum, pardon, et papier. Et je ne sais plus qui m'a dit, ah, hâte de voir ce que tu vas faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à ça? Comment est-ce que je résiste face à ça? Qu'est-ce que je peux faire face à ça? Eh bien, je vais faire une ACC. Et voilà. Donc, vous ne m'avez pas beaucoup poussée. Hein. Je pense que j'y serais allée toute seule. Bon, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que je vais faire? En fait, je ne sais pas encore exactement. Par contre, je sais une chose. Ils sont magnifiques. J'adore ce papier. Et en fait, enfin, ce vélum, pardon. Et je ne sais plus évidemment dans quel bloc j'ai vu ce que je voudrais mettre avec, mais ce n'était pas dans celui-ci. Je voudrais vérifier qu'au niveau des tons, ça va aller. Voilà. Et en fait, je ne sais pas, mais je me dis que ça va peut-être relever un petit peu les couleurs. J'aimerais bien voir, essayer de faire quelque chose avec. Donc, bah écoutez, je crois que je vais attaquer comme ça. Alors, en sachant qu'il y a aussi des unis, pardon. Et je vais voir comment peut-être associer tout ça. Oh, ils sont trop beaux ces papiers, regardez, mais franchement, ils sont top. Enfin, je ne sais pas comment vous les trouvez, mais vraiment, et puis même, vous verrez, la texture, elle est super intéressante. C'est sympathique. Donc, est-ce que je fais un mélange comme ça? Je vais déjà découper un morceau de cette page. Je vois à peu près la taille. Je ne pense pas que je vais tout utiliser. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais voilà. Et en fait, ce que je voudrais voir, c'est ce que ça donne. Déjà, ici. Vous voyez, sous ce papier-là, là, avec les rayures. Et je voudrais voir ce que ça donne avec ça. Les poids sont un petit peu trop importants. Pour l'instant, je mets un peu de côté. La question, c'est est-ce que je fais des lignes comme ça sur ma carte, ou est-ce que je fais des lignes comme ça? Excusez-moi, je parle toute seule. Je pense que je vais comme ça. Si je fais ma carte comme ça, oh là 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 là, je ne sais pas. Je vais déjà prendre un morceau et après je verrai dans quel sens je le mets. Combien il y a de pages comme ça? Mais non, mais c'est pas possible, il n'y en a que deux. Mais non, mais non, mais non. Voilà, un petit morceau de papier. Une petite ACC et un magnifique vélum. C'est l'enfer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est l'enfer. Alors, après, comment est-ce que je vais venir faire, parce que j'aime tellement tout dans ce vélum, c'est juste pas normal. Non, 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 ça devrait être interdit. Le problème, c'est que je ne peux pas tout mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, hop, déchirer en biais de façon à garder Marguerite, la petite fleur rose, les deux marguerites que j'aime bien. Et je vais venir compléter. Alors, j'ai l'impression d'être la main à l'envers, hein, parce que d'habitude, moi, je préfère les choses dans ce sens-là. Alors, il y a comme ça, et il y a comme ça. Oh là là, comme ça, comme ça. Eh bien, écoutez, on va faire dans ce sens-là, ça change un petit peu. J'ai pas encore répondu, une abonnée m'a demandé comment je faisais pour coller le vélum. Bah, du coup, la carte va me donner l'occasion, mais je lui ferai aussi une réponse en commentaire. En fait, j'essaye souvent de me poser quand je peux le soir pour répondre. Et vous m'excusez, hein, des fois, si c'est un peu long. Pour coller le vélum, la meilleure technique, c'est le scotch double face transparent, les petits rouleaux comme ça, de chez Action par exemple, parce que vraiment, on ne les voit pas. Je vais vous montrer.
quand on les applique. Moi, j'ai rien trouvé de mieux que ça pour coller tout ce qui est vélum. Je vais vous montrer. Vous voyez, regardez, on l'a mis, on ne voit strictement rien. Donc là, évidemment, j'aurais mieux fait de ne pas coller tout de suite. Hein, ça aurait été plus intelligent. Mais ce n'est pas grave. Ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais essayer de venir couper, déchirer un peu en biais. Comme ça. Et de venir en fait le glisser à minima dessous pour bien garder le côté vélum ici. Et en fait, ce que je veux faire, je vais le mettre là. Donc, si je sortais une petite pince, ça serait plus pratique. Petite pince, où es-tu? Voilà. Je pourrais aussi sortir les ciseaux en même temps, hein, si j'avais une tête. Et un, et deux. Donc, là, par contre, je vais mettre de la colle sur une partie. Et je peux vous dire que la chute, je vais la garder précieusement. Parce que je pense que je vais, mais d'ailleurs c'est pas je pense, je sais que j'adore ce papier. Il est magnifique. Franchement, la texture en plus, la texture mélangée avec le vélum, c'est super intéressant. C'est vraiment top. Voilà, là je viens rajouter un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ici de façon à situer la carte. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ces papiers. Franchement, ces blocs, mais je ne m'y attendais pas du tout. Je n'avais absolument pas regardé. Moi, je regarde rarement, en fait, le site Action. Et je ne m'attendais pas du tout, du tout à ça. Moi, à la base, pour tout vous dire, j'y étais allée pour trouver les nouveaux albums scrapbooking avec les couvertures parce que je les ai en noir, en papier craft d'avant parce qu'ils existaient avant. Mais j'adore les couvertures en tissu, effet lin, et je voulais vraiment les trouver. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire après? Bah, ce que j'ai envie de faire après, pour tout vous dire, j'avais déjà une petite idée dès que j'ai vu ces papiers. Voilà, j'ai envie de venir utiliser mes petites images de mes blocs comme ça, vous savez que je les adore, parce que je trouve qu'ils iraient parfaitement. Et je ne sais pas encore lequel j'ai envie d'utiliser, mais je viendrai bien rajouter une petite image. Alors, il y a celle-ci qui est bien jolie, qui pourrait peut-être aller là. Un peu genre déjeuner sur l'herbe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un déjeuner sur l'herbe. Mais j'aime bien la forme un petit peu en longueur de l'autre. Excusez-moi, j'ai une crise d'allergie. Je suis désolée. Excusez-moi. J'adore celle-ci, regardez. C'est magnifique. Et ça? Alors, ce que j'ai envie de faire, je vais vous montrer tout de suite, parce que ça me vient, là, comme ça. Quand je les vois, c'est tellement joli. J'ai déjà envie de prendre celle-ci. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais la laisser en stand-by ici, en attendant. Et j'ai très envie de venir prendre la première que j'aimais. Beaucoup. Il faut juste que j'arrive à la décoller, parce que je ne veux pas écraser pour ne pas abîmer l'autre. Et en fait, j'ai très envie. Oui, en fait, donc j'ai fait exactement ce que je ne voulais pas faire. Hein. Il faut que je la retrouve. Voilà, elle est là. Et là, je vais venir chercher ma deuxième pince. Qui est là. Et je vais venir voir comment les poser sur la page. Ah oui, quelle bonne idée. Vous voyez, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. Je pense plutôt mettre celle-ci ici, comme ceci, et venir mettre celle-ci un petit peu ici. Par contre, je vais peut-être la couper un petit peu, vous voyez, pour qu'elle laisse un petit peu de place. Alors, je ne sais pas si on peut les déchirer. Ouais, difficile à déchirer, ouais, même pas possible de les déchirer, c'est pas grave. Je vais couper un petit peu... Voilà, mais vous voyez, je vais venir positionner comme ça pour garder un petit peu cette ambiance champêtre. Je vais venir couper, ça me colle au bout du doigt, excusez-moi. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, bah, je suis désolée, hein, couper un petit peu le bout de cette si belle petite photo et je vais venir la positionner. Voilà, je vais la couper un peu effet tag.
voyez, comme ceci. Bon, alors moi, les tags, je ne sais pas les faire, c'est jamais équilibré. Hop, je vais venir la poser comme ça, vous voyez, comme ça, elle touche un petit peu. On a le trait blanc qui permet de laisser un petit peu de visibilité au niveau de la carte. Et je vais venir couper ici. Mais après, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce qu'il y a effectivement des choses à faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, ces papiers, alors je ne sais pas si je le rends ou non, mais en tout cas, ils sont vraiment le vélum, là, les deux. Ils sont topissimes. Ce que j'aimerais bien venir faire, c'est venir voir s'il n'y a pas quelque chose que je pourrais utiliser dans mes petits papiers roses. Des petits. Alors là, c'est plus saumon que rose. Il n'y a pas vraiment de rose ici. Par contre, j'ai du rose autre part. Il faut juste que je le retrouve étant donné que j'ai changé les choses de place. Et là, j'aimerais bien venir voir si je peux trouver quelque chose qui pourrait être sympa. Un petit effet écriture. Et en fait, si j'avais fait les choses dans le bon sens, j'aurais d'abord positionné les écritures avant de mettre mes étiquettes. Mais on va corriger ça. Voilà. On va tenter. Hein. C'est sur du vélum, avec un peu de chance, ça n'a pas trop accroché. On va essayer. Qui ne tente rien. Rien. Voilà, vous voyez, ça se soulève bien. Et en fait, mon idée... Alors, je vais venir quand même le recouper un petit peu parce que j'en veux pas trop. Je veux juste une petite pointe. Vous voyez, comme ceci. Pour rajouter un petit quelque chose par ici. Oui, sauf que j'ai pas mis de colle. Oui, 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 oui. Alors, je vais venir mettre un petit bout de colle. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup ce vélum. Et c'est très difficile parce qu'il est tellement beau qu'on n'a pas envie de le recouvrir entièrement. Et pourtant, on a quand même envie de faire des choses. Donc, qu'est-ce que je pourrais-t-il venir faire après? Ici, j'aimerais bien venir mettre quelque chose. Alors, au cas où, j'avais préparé mon down. Celui-ci. Il y a toujours des petits trésors à trouver. Et je me dis que j'aimerais bien venir... Ouh, regardez ça, là. Ça, c'est génial. Si je pouvais le mettre quelque part, regardez, par exemple, ici, juste pour faire un petit rappel de couleur, je ne vais peut-être pas les mettre tous, mais je peux venir en positionner quelques-uns. Oui. Alors, je prends un petit tapis de découpe que je viens glisser ici. Et ce que je vais faire... Rendez-moi mon cutter. Rendez-moi mon cutter. Je vais venir en fait les utiliser côté, excusez-moi, côté washi. Je suis en train de réfléchir. Je vais en prendre que 3. Et je vais venir les poser comme ça pour garder un petit peu la transparence et qu'ils ne soient pas trop, trop imposants sur la page. Voilà. Alors là, par contre, vous savez, maintenant, j'ai pris l'habitude. C'est là que la petite pince bien pointue est super pratique pour venir les décoller. C'est beaucoup mieux que ce que je faisais avant. J'y allais comme une sagouine. Donc, c'est ou je les mets comme ça, ou alors je les mets comme ça. On va voir ce que ça donne là. Est-ce que ça me plaît de les avoir là? Ça apporte pas grand-chose. J'aurais peut-être dû prendre celle avec plus de rose, mais je voulais qu'il y ait un peu plus de couleur, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir les poser comme ça. Voilà, juste pour faire un petit effet. Et j'aimerais bien, je réfléchis, trouver quelque chose pour mettre ici. Donc, on va faire des fouilles. Hein. J'aime bien ça. J'aime bien cette belle fleur comme ça ici. Je suis en train de réfléchir. C'est du rose, mais ça serait peut-être pas choquant. Vous voyez, je l'ai encore laissé là. Range ta chambre, Youyou, range ta chambre. I can do this, but I'm... On ne sait pas quoi. Mais il y a what? Ça
serait rigolo d'écrire ça. Je viendrais peut-être bien l'écrire juste en rigolant ici. Ouais, je vais venir le découper pour le mettre au travers. Ça fera un petit quelque chose. Je vous dis, ces livres, ils sont vraiment, mais alors, plein de petits trésors qu'on peut venir utiliser pour mettre sur nos pages. Tout style différent. En plus, ça nous fait utiliser des choses très différentes et un peu en décalé. Là, on a un côté très romantique, très tranquille, et avec quelque chose, voilà, de plus percutant, on va dire, entre guillemets. Voilà. Donc là, hop, je vais l'attraper. Voilà. Voilà. Et j'aimerais bien, en fait, venir le mettre... Alors, je le mets comme ça ou je le mets comme ça? Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre au travers. What? What else, George? Et on va continuer à chercher parce que j'ai toujours envie de faire quelque chose. De lui mettre... De mettre quelque chose sur la page. Bon, alors là, j'aimerais bien le chat, mais elle est en train de l'étrangler. C'est un peu dommage. Il a l'air gentil, ce chat. Il a dû vraiment faire une grosse bêtise. Qu'est-ce qu'on peut venir mettre? Alors, trouvons une idée. On n'est pas obligé de mettre du rose, hein, dit-elle en regardant des pages roses. Bon, là, le rouge, non. Peut-être quelque chose un peu dans les verts. Ou alors une écriture. J'aimerais bien trouver un petit mot. Le Hello dans les tons de Bordeaux, ça pourrait être joli avec. Ça rappellerait un petit peu les couleurs qu'il y a ça. Donc, je le garde en tête. Bon, orange, non. Jaune, non. Là, ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai pas nécessairement envie de mettre de végétaux. Voilà, plutôt des mots, quelque chose. Pas envie de vintage a priori non plus. J'aime bien les colombes ici comme ça, mais j'ai peur qu'elles ressortent pas beaucoup. Alors, dans les verts, qu'est-ce que je peux trouver? Est-ce qu'il y a un vert qui irait? Celui-ci, non. Là, il n'y a rien qui me fait envie. Et dans ce vert-là, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Et ici? Excusez-moi, je suis désolée de renifler. Je vous prie de m'excuser. Ils sont... Alors, le vert, là, il ne va pas dans les tons. Qu'est-ce qui reste après? Non, je vais retourner, prendre tout simplement le petit Hello que j'ai vu tout à l'heure. Ou alors, attendez, je vais prendre ça. On fait ça ensemble, hein. Je vous impose ma réflexion. Voilà, on a le Hello ici qui pourrait être rigolo. Mais j'ai pas pensé à regarder tout simplement ici s'il y avait des choses que je pourrais utiliser. Il y a toujours des petits détails qu'on peut venir récupérer. Ça, ça pourrait être rigolo de jouer avec les rayures et les carreaux. Je regarde. Vous entendez Théo à côté? Vous l'entendez? The one and only. Le seul et l'unique. J'aime bien ça. Mais trop d'écriture, ça va faire beaucoup. Et
Écoutez, je vais mettre pour l'instant avec Hello, mais je vais quand même venir chercher quelque chose pour mettre ici, parce que ça me paraît tout vide. Et je sais à quoi je vais faire appel. J'aimerais bien venir coller quelque chose sous le Hello, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mettre quelque chose et mettre le Hello par-dessus. Pour l'instant, je vais juste positionner le Hello, vous voyez, comme ceci. Et à la limite, je peux peut-être venir le mettre comme ça en travers. Je le mets juste là et je verrai si je peux venir mettre quelque chose avec. Parce que maintenant, je vais me diriger vers ma petite boîte. Non, pas celle-ci. Comme j'ai changé mes boîtes, il faut que ça rentre dans le rythme. Là où j'ai en fait tout ça, et comme on trouve toujours une merveille à utiliser là-dedans, oui, ça je sais pas. Ah, j'aime bien ça, c'est peut-être un petit peu trop romantique pour moi. Allez, on va. Je suis désolée, je vais encore vous imposer un tour un petit peu long, pour le temps de trouver une idée. Peut-être que je pourrais venir mettre ça ici. Ou alors, je le mets là, comme ça. Oui, voilà, vous voyez, c'est tout à fait quelque chose comme ça que je cherchais un peu. En plus, on est sur un ton neutre. Et ça va venir me donner un petit peu de consistance, on va dire, sur le bas de ma page. Voilà, je viens positionner ça. Alors, attendez, hop, je vais couper un petit peu de plastique. Je viens le positionner ici et je viens mettre mon Hello comme ça. Voilà, ça fait un petit effet de style qui peut être sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Et là, je vais venir positionner la même chose dans ce coin-là. Comme ça, ça donnera un petit peu, un peu comme une idée de parallèle. En fait, je vais venir tout simplement le coller. Je viendrai le détourer après. Ça sera plus simple. Je ne sais pas comment vous les trouvez, franchement, c'est une super surprise. S'il nous prépare des blocs à la hauteur de ceux-là, franchement, ça va être une rentrée qui va être super intéressante. Allez, je regarde si je trouve encore une petite chose, on ne sait jamais. Hein. Ah, la Belgique. Bonjour, j'ai appris qu'il y avait des gens de Belgique qui regardaient. Bonjour à vous. Pour info, mon frère vit en Belgique. Je vous l'ai envoyé, je vous l'ai donné. Il y a ça qui est bien comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou peut-être que, regardez, je vais venir le mettre là. C'est nickel. Hop. Hop. Comme ceci. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un petit quelque chose que je peux venir rajouter? Non, je ne vais pas rajouter de fleurs, ça fait un peu trop et puis ça serait dommage. Ça ne me déplaît pas, mais je ne suis pas sûre. Par contre, j'adore ça là. C'est pas mal. Peut-être que je pourrais mettre ça comme ceci ici ou alors comme ceci là. Ouais, c'est pas mal ça. Vous voyez, ça a l'air de rien, c'est tout petit, on n'y pense pas. Et en fait, voilà, c'est ça qui est vraiment plaisant dans ces petites découpes, c'est que on peut vraiment faire de très jolies découvertes et venir rajouter des petites choses, l'air de rien, et qui viennent meubler. Compléter votre page. Alors, je pourrais le mettre là. Ça pourrait être sympa. Ouais, d'ailleurs, je vais le mettre là. Ça m'intéresse plus de le mettre là. Et du coup, bah, je suis obligée de continuer. Hein. Vous vous en doutez? Ça, c'est trop grand. Ça, c'est trop grand. Allez, un autre petit zigouigoui. Si je trouve. Sinon, je rajoute rien pour pas trop alourdir.
Voilà, on est dans la période champignon. Regardez, si je faisais un peu comme une écriture comme ça, ça serait rigolo. Ouais, je vais venir mettre ça. Allez, on rigole. Elle est toute sage, ma carte. On vient lui mettre des choses rigolotes. Par contre, je vais venir couper un petit peu. Il y a beaucoup de plastique pour une petite lettre. L'avantage en plus, c'est qu'ils sont tous prédécoupés, là, les stickers. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Mais vous avez vu, sinon dans le Down et dans le Schubert, ça se découpe super facilement. À la limite, ça se découpe plus facilement que les rouleaux. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est rigolo. Franchement, je trouve que les deux, ça rend super bien. Ils sont magnifiques. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, YouYou, contente. Donc, je vais venir dater. Voilà. Et voilà. Je ne sais pas quel jour on sera demain, mais je mets ce jour-là. Je ne sais même pas quel jour on est aujourd'hui. On est le 10. Bon, voilà. Donc, c'est la date du jour. C'est très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, cette carte est à présent terminée. Oups, si je peux l'attraper. Je vous remercie. Et puis, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.